deep is your love? Salut à tous, c'est Fred pour PPS Gaming. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo de Shroud of the Avatar, la troisième vidéo, toujours la même version, la pré-alpha du 28 du 12 2015, release 25. Donc, ce qui avait été fait la dernière fois, en gros, c'est que on avait été chercher des épées ici pour notre camarade. Je sais pas si on peut encore lui parler. Hello? Il veut toujours des Iron Blade, lui, apparemment. Il a dit le porte à Blacksmith. Ok. Ouais, ça, je m'en souviens. Donc, bye. Yeah. Hop. Alors, on a un journal de quête. The current task. J'ai tradé avec Fingersclade. Ok. Stanley, le capitaine de la garde d'Assalton, m'a donné une lettre apportée à Ardoris. Solas Bridge. Oui, mais je retourne à Solas Bridge et il faudrait que j'aille voir en ville si je peux trouver des vendeurs pour me débarrasser de mon brawl parce que je suis encombré et c'est pas pratique. Voilà, je prends quelques petits lags là. T'as rien écrit, non? Si on peut que échange acheter, moi je veux trouver quelqu'un qui me permet entre guillemets de vendre. Crafter ici, c'est la mécanique craft. On n'a vraiment pas eu encore l'occasion, à vrai dire, de. Oula, un petit crash de se mettre au craft, hein. Des lingots. Regardant un peu, j'essaie de comprendre un peu comment ça pourrait marcher. Mais... Voilà. À découvrir tout seul, je fais. Où est-ce que j'ai appuyé pour le faire courir tout seul? Et stop.
Je veux pas qu'il court tout seul. C'est quoi ça? Alors, visiblement, ce qu'on peut utiliser, ça se mettrait en blanc. Encore des objets que je n'ai pas. Curing sword, tonic knife. Bon, est-ce qu'il a arrêté de courir tout seul? Non. Je suis en train de chercher la touche. Hein. Bon, c'est un peu plus vite, je vais la chercher dans les contrôles. L'homme visiblement, je rappelle. Allez! Bon, on va quitter la ville et revenir dedans pour voir parce que je vois pas comment quitter en fait cette course automatique bidon. En fait, la dernière fois, ce que je cherchais, c'était de retourner à Solas.
Mais comment? Un autre joueur. Alors, j'ai retrouvé Salas. Super. Donc ici on est à Salas Bridge et on doit retrouver donc une petite fille morte ou vive, mais vu l'état de la ville je dirais plutôt morte. Voilà, donc on se balade, on a rencontré un jeune cerf. Bonjour, enchanté, moi c'est Paul. On veut pas l'attaquer? Allez, attaquons-le. Non. Il est bugué? C'est un jeune cerf bugué? Pour lui, hein. On le skin, hein. On va l'éviter. Bon, ce qu'il y a de bien donc dans ce jeu en fait, c'est qu'on est vraiment face à un MMORPG old school. Bon, certes, les autres jeux sont plus beaux graphiquement et tout, mais ici on est dans le old school. Moi, personnellement, bon, j'ai pas encore vu beaucoup, mais je ressens quand même l'empreinte Ultima Online. Et je dois avouer que ça me fait plaisir, franchement. Pas l'air super causant. Alors on explore, hein.
mon avis, il y a plein de trucs que je vais me débarrasser, les lettres et tout ça qui servent à rien. J'ai 12 000 francs, gardez que une. Je le prends, je sais pas à quoi ça sert. Oh! Les grands, c'est calme, il y a un zombie! Tourne-toi! Voilà, un gros lard et tout ici. C'était un zombie riche. Je suis mort. Pas faire attention, j'ai dû être empoisonné, bordel. Donc, non. Oh, bah, tout juste une heure, parfait. Les mustering notice là, à mon avis, sont débarrassés. Quoi qu'elles pèsent rien, mais bon. Alors, on supprime des newsletters. Sans compter trop mon inventaire pour des trucs en double, je garde que un. C'est de la déco, visiblement. Toujours trop encombré.
très épais, mais je suis toujours trop lourd. Je vire tout ce qui est décoration principalement, parce que moi je me suis un peu emballé et j'ai pris tout. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal trié. Hein. Ok. Donc, quoi ça? Rusty Sword. Pas intéressant, c'est dérouillé. Non, il semble pas avoir quelque chose de spécifique. Tout cas, pas de corps de fille ni de fille ici. Un zombie.
Bon. Rien d'intéressant à dire. Et moi, je suis toujours à la recherche d'une petite fille. Un loup. Boum! Oh, j'ai plus de mana. Il faut définitivement la guérir. Je sais pas. Petit instant, ce que j'ai. On me demande une petite info. Ben, pourquoi je suis encore mort, moi? Bon, on va ressusciter. Qui fait ce bruit? Il Voilà, donc on va les répéter à la maman qu'elle est là, parce qu'elle ne veut pas revenir toute seule en fait. Elle dit que c'est loin et qu'elle a peur d'y aller. On lui a demandé simplement, mais bon.
rien savoir. Alors, bye friend. Hop. Allez, un petit zombie. Je dois être empoisonné. Allez. Si je retrouve le corps de celui que j'ai tué pour le looter, non? Non, mais il reste près de l'autre. Bon, on va essayer de s'en aller d'ici du coup. Hein. Bye. Non, mauvaise idée. C'est un peu too much à ma poursuite là.
faire ici? Pourquoi je me retrouve avec une hache en main? Pas les empoisonner, ça a l'air déjà une bonne chose, hein. Donc je me soigne. Et donc comme je vous ai dit et que je redis encore une fois de plus, ça me perturbe de jouer un mage en fait. Qui me poursuit, je vais me sauver. Voilà. Donc on a quitté nos vieilles, on va retourner à Saltown pour aller annoncer la nouvelle à la dame. Et on aura avancé un petit peu, je suis content. Ce qui me chiffonne tant qu'on a Saltown. Donc j'entre dans la ville. Voilà donc Saltown. Abigail, je pense. Bon, elle va encore me confier une quête, on va toujours la prendre alors. Hein. Non, elle ne veut plus visiblement. Voilà, donc ben on va se quitter ici pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi dans cette quête. Et ah oui, non, je voulais recommencer après, parce que je voulais vous montrer donc ce qui me chiffonnait. Je sais pas si c'était à propos de Raymond, donc hello.
Help. Non, c'est pas Roland, alors c'est peut-être la femme Janine là. Jeanne. Bon, Jeanne, on l'a déjà aidé, je pense. Voilà, donc je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est au niveau de celle qui s'appelle Voyageur et qui ne met pas de nom, même si je lui demande comment elle s'appelle. Donc, alors, on donc elle veut l'aide de quelqu'un qui s'appellerait Quincy. Regarde si j'ai ça. Je ne l'ai pas, ce que je ferai donc prochaine, on va s'occuper de ça. Alors on retrouvera un salas et on ira voir Quincy. Donc si on trouve le truc, le chariot de Quincy, bye. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de prochaines aventures. Merci tout le monde, ciao ciao.